Il s'agit de demander un rapport sur les pistes d'amélioration de la formation à la déontologie et au tir des policiers et des gendarmes. Vous savez que déjà aujourd'hui, en fait, en réalité, pour pouvoir porter une arme, pas juste une arme à feu, mais n'importe quelle arme, il y a une nécessité d'avoir une habilitation qui doit être renouvelée régulièrement en formation continue. Sinon, le policier ou le gendarme ne peut pas faire usage réglementairement de son arme. Et pour cause, avoir une arme, c'est avoir une responsabilité. Et justement, la responsabilité d'avoir un geste qui soit nécessaire et proportionné, comme c'est indiqué dans le cadre légal et réglementaire actuel. Et on voit qu'aujourd'hui, les trois séances de tir, ne serait-ce que ça, les trois séances de tir pour les armes à feu, les armes de poing, obligatoires pour pouvoir utiliser son arme, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un taux de formation continue de 100%. C'est juste le minimum. Je ne parle même pas de réfléchir à ce que ça implique de tirer et réfléchir à tout un tas d'autres considérations. Et donc, il y a quand même des marges de progression substantielles. Moi, je me souviens être allé dans un salon de l'armement. Je n'y ai pas croisé Éric Zemmour à l'époque, fort heureusement. Mais en tout cas, j'y avais croisé la préfecture de police qui avait mis en place un dispositif pour... s'exercer au tir, c'était tout bête, hein. Ils avaient pris des armes factices à billes, mais qui étaient à l'identique des armes de poing, un papier qui était tendu, une projection sur le papier avec une mise en scène d'une vidéo, et il fallait tirer au bon moment. Est-ce que, avec quelqu'un qui s'enfuit, est-ce qu'il est de face, de dos, est-ce que c'est légitime, pas légitime, etc. Et je voyais une plus-value quand même un peu supérieure à juste une cible, un gros machin, vous savez, qui est en forme de visage, là, que vous tirez à 5 mètres ou 10 mètres. Entre les deux yeux, vous êtes content, vous pouvez le ramener à la maison pour l'accrocher au mur. Merci, mais enfin, la plus-value par rapport à la situation réelle est assez faible. Ne faudrait-il pas développer ces dispositifs ? Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Oui, concernant cet amendement, donc j'ai exercé, comme vous savez, hein, pendant plusieurs années, les fonctions d'instructeur au sein de la police nationale. Et votre amendement concerne donc un sujet que je connais bien. Vous faites référence à l'entraînement vidéo assisté. Et sur le fond, je vous renvoie à un rapport réalisé par la Cour des comptes en février 2022 et remis à la Commission des finances de notre Assemblée sur la formation des policiers, qui inclut bien sûr une réflexion quant à l'exercice au tir et aux questions déontologiques. D'ailleurs, pendant la LOPMI, j'avais déposé un amendement pour augmenter les heures de formation. Vous n'avez pas voté pour. Donc, par conséquent, avis défavorable. Monsieur Bernalicis. Non, nos amendements étaient mieux. C'est pour ça que je n'ai pas voté ceux du RN, mais... Ils étaient en plus plus complets. D'ailleurs, ça éviterait de se poser peut-être des questions comme celle de votre proposition de loi, pas juste politicienne, mais effectivement dangereuse, parce que à la fin, ce que vous voulez faire, et c'est pourquoi mon collègue Léaumont attache autant d'importance à citer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que quand vous soutenez des manifestations devant l'Assemblée nationale visant à modifier notamment l'usage des armes de service, vous finissez par dire « bon, le problème de la police et de la justice est déjà anti-état de droit que de prononcer une phrase pareille », mais ensuite il y a eu la petite musique en disant « il faut modifier la Constitution ». Et quand vous dites ça, les gens se disent « ah ben c'est la Constitution de 58, enfin c'est la Constitution... » Non, 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 ce que vous voulez modifier dans la Constitution qui font qu'aujourd'hui ce que vous proposez c'est inconstitutionnel, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc vous proposez de supprimer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au moins une partie de ses articles, du bloc de constitutionnalité. Et c'est pourquoi, à la fin, si nous ne faisons pas un effort de formation des agents pour qu'ils respectent les droits fondamentaux, comme c'est indiqué dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors c'est que vous proposez un autre système politique. Moi, je crois que l'avoir qualifié tout à l'heure, et ce n'est pas le système politique que nous défendons. Nous ne défendons pas le fascisme. Vous, oui, c'est votre problème. Nous défendons la République et l'État de droit.